Et c'est parti, petit playstyle du tronc. On joue Maokai Top contre Olaf. Ils ont une compo full AD à part Lilia. C'est assez chiant parce que Lilia se fait dégâts en fonction, enfin en pourcentage HP. Très souvent ça build des dégâts en pourcentage HP. Et si j'ai pas d'armure, enfin de MR, ça va me péter le cul. Quoi qu'il arrive, je ferai un visage pli. Mais je pense que c'est le seul item que je ferai. Ne jamais prendre ce puffing là contre notamment deux champions, même si là il pull très probablement. Jace en fait partie et Olaf en fait partie. Si vous jouez contre ces champions et que vous avez un melee top et que vous perdez le niveau 1, ne prenez jamais ce puffing. Là par exemple il m'attendait dans le bush. Ah bah t'es avec le mec Odin, t'es en vocal avec le Jace toujours la game d'avant là? Il est contre moi, tu peux dire de la game s'il te plaît? En plus il joue sur ma lane. Darius aussi, Riven aussi et Fiora aussi. Oui il y a plein de champions là sur les endroits que tu peux pas passer en tant que top laner, mais prenez le temps de faire un petit peu le tour, au pire vous perdez un creep. Pas très grave. Je te prends un pro grâce frérot. Aïe. C'est mal. L'objectif ça va surtout être de pas crever. Tant pis si je tombe derrière en CS, si je tombe derrière en XP. Après plus je tombe derrière plus il y a de chances que je meure hein, mais je veux dire l'objectif principal ça va vraiment être de survivre et d'espérer que ma team fasse le taf sur le reste de la map. Il a TP? Ah bah. Je le fasse push, je vais le faire perdre tout ça. En vrai ça me met plutôt bien. Hein. Il a TP pour rien en plus je pense. Je sais pas s'il a été utile. Did Olaf TP change anything to the move for not having prior team? Oh je t'habille je pense. Bot ça va augmenter mes chances d'esquiver les haches. Brumble first, non. Olaf, en fait, je vais pas le fight. Donc, on fout un peu d'avoir une Brumble. En fait, Brumble, c'est bien si je veux me battre contre lui, mais vu que je suis une grosse salope, moi, je vais pas me battre. Donc, en vrai, j'ai pas forcément besoin de Brumble. Là, je pense qu'il sait très bien qu'il pourra pas faire grand chose contre moi. C'est pour ça qu'il bouge beaucoup. Mais là, normalement, il arrive pas à temps pour faire quoi que ce soit. Enfin, il sait qu'il pourra rien faire contre moi. C'est pas tellement ça en mode. En vrai, il peut me kill, hein, mais. Je vais essayer de commencer à ouais, faire par contre, pas trop me faire dive. C'est plus que. Je pense qu'il a vu que je jouais comme une grosse salope. Il a flash pour ça. Bon en fait avant tout ce qui me définirait je pense si je devais donner une définition de moi en tant que joueur c'est vraiment que je suis un team player. Genre là je vois que ma team est dans le besoin, je lâche instantanément ma wave, je donne tout pour les sauver. Grâce à moi bah on peut gagner le move et c'est ça je pense qui me différencie un petit peu des autres joueurs tu vois. C'est ça qui fait un petit peu ma force hein, si je peux utiliser ce terme. C'est voilà cette capacité que j'ai à toujours penser à l'équipe. Et voilà on récupère un solo kill sur notre adversaire direct parce qu'en plus d'être fort sur la map je suis fort dans mon cœur avant tout. Et c'est voilà, c'est de la destruction pour moi qui est proposée sur cette top lane hein. Ouais je vais TP ou pas qu'ils prennent de plate. Ouais qu'ils prennent trop de plate plutôt. Il va ult. J'ai pas eu la stopwatch. Bon on prend hein. C'est fine, je perds des creeps mais go push hein, push. Je perds des creeps mais je récupère deux kills, j'ai l'XP aussi des kills donc c'est ça qui est vraiment le plus important, en plus c'est de la solo XP. Diana peut récupérer la wave donc elle perd pas non plus tant que ça, ça lui donne de la tempo par rapport à Lilia. Donc c'est fine, je prends. Ça a failli être pixel, je pense pas que je pouvais survivre honnêtement. C'est abusé la vitesse d'attaque de Maokai par contre. Bon, en fait j'ai des runes attack speed c'est peut-être pour ça. J'ai une grosse wave qui arrive, je joue assez weak side depuis tout à l'heure. En vrai c'est fine, faut que je vérifie quand même parce qu'il a probablement récupéré sa TP. Faut juste que je le cancel si jamais il veut. Aïe, il stack vite son joker. Okay. Bien joué, ça. Triple kill lyonnais, ça me fait plaisir. Vas-y, va faire ta vie, va proxy la wave d'après. Oh non, tu fais pas ça. Oh, tu fais pas ça. Voilà. Tu peux proxy, mais tu prends pas les plates, tu tapes pas ma tour comme ça, c'est quoi ça? Je lui ai montré, hein. J'ai mis des dégâts, gros. Pa. Okay, il y a qui arrive. Je peux pas me tuer là en vrai. Tiens. Alors. Fais-moi le malin, hein. C'est ça, va-t'en. Go back dans le bush. Ah bah ça, j'aurais dû le sentir venir, ça. Après, est-ce que c'est pas worse? Tout était prévu, en fait. En fait, je savais que quoi qu'il arrive, s'il se téléportait, il pouvait rien faire. Est-ce qu'il y a un solo kill? Elle va essayer, elle va pas essayer. Je pense qu'elle me tue hein, si elle se bat contre moi, mais elle va y râler plus tôt. Attendre quelques Q. Voilà.
t'as dû me prendre son spell. Oui, j'arrive à deny le first blood tourelle. Je pourrais pas deny en vrai. Elle va forcer là. Ok, il y a Diana qui arrive. Travail qui est effectué en topside. Ah oui, putain, la tour a déjà été prise au bot en fait. Ah, parce qu'en fait, je suis en train de carry là. Je vais aller bot. C'est parce que justement, ce que j'ai réussi à mettre de la pression top pour attirer Lilia au top lane, hein, qu'on a réussi à prendre cette terre bot. Ah, je vais pas TP. Je préfère aller me battre contre Olaf. Salut frérot. Arrête, on peut être amis. Attends, juste si on peut être pote juste pour voilà, des petits procs gaffes comme ça. Non, s'il te plaît, juste là, on s'est un peu trop énervé. Juste, je peux encore un petit proc. Juste un. Voilà, merci. Juste, c'est bon, on s'arrête là. Non, là, je sens que tu veux me dive, c'est pas gentil. T'es trop obligé de tout play. Enfin, je t'avais demandé d'être gentil, tu veux pas être gentil, bah. Je suis obligé de te solo kill en fait, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Et Odin, dis à ton pote qui pue la merde. Je rigole, hein. Est-ce que je fais un anti-heal en vrai? C'est vrai, c'est bien contre Olaf. Pour tenir le split en vrai, c'est bien quand même. Je pense qu'il faudrait que je le fasse quand même. Parce que j'ai fait dans une situation où je vais essayer d'aller chercher les 1v1 sur Olaf, mais en fait ça va pas se passer comme ça. Ça va juste passer un peu comme ce qui vient de se passer là, tu vois. On va prendre des petits trades. Il y a un moment, il va essayer de me dive et l'anti-heal va augmenter grandement mes chances de survivre. Je pense que c'est un peu obligatoire de l'avoir. En vrai, Olaf il est un peu obligé de tenter des moves comme ce qu'il vient de faire. Hein. Vu que c'est que lui la game, il est dans une situation où bah s'il garde le statu quo, il va la perdre. Il est obligé de faire des moves où en fait c'est entre guillemets le risque high reward. Que quoi qu'il arrive, s'il ne fait rien, la game est perdue. Ou il est obligé de tenter des moves comme Flip, c'est sa seule possibilité de win. Puis là, ce truc-là, il va servir, vous allez voir. Et hop. Oh putain, presque. Il aurait servi autrement. Ça l'aurait slow. Ça aurait permis de le rattraper. High risk, low reward. Non, en fait, justement, si la game est even, c'est high risk, low reward. Mais là, en fait, la game est pas du tout even. Du coup, il est dans des situations où s'il ne fait rien, il a perdu la game. En fait, les décisions qu'il va prendre sont low risk, parce qu'il y a peu de chances que ça impacte le changement de la partie négativement. Ça peut impacter négativement, mais ça a peu de chances que ça change le fait qu'il va perdre la game. Dans tous les cas, il va perdre la game, plutôt. Et il a high reward, parce que potentiellement, bah, si ça se passe bien et qu'il arrive à quelques moves qui passent comme ça, bah, potentiellement, il peut carry derrière, quoi. Mais oui, s'il était even dans la game, et dans une game classique, le move c'est high risk low reward parce qu'il me tue, bah il y a beaucoup de chances qu'il meure et il me tue, ça lui apporte pas grand chose. Mais là, il est obligé de tenter ce genre de truc s'il veut avoir une chance de gagner. Je pense que quoi qu'il arrive, c'est doomed. À l'aide! Merci quand même! On allait me laisser mourir là. Le reset, hein. Je pense qu'on va pas grid plus que ça. What? What? Je me suis TP? Ok, il y aura un dash. Un dash autre que le W. Je voulais pas auto-attaque. Ah, j'ai plus de mana. Il y a une game d'avant, il fait quoi, 3-15 cette game-là, il est déjà à 2-6. Alors attention quand même, Godzilla, hein. Avec ton létalité Garen. Oh, mec à dive là. C'est au moins avec Maokai. Oh, j'ai juste envie de montrer à Ezreal quel point c'est marrant les tanks. Je pense qu'il va pas que non. Il est en 0-7, je peux être en mode j'en ai rien à foutre. Mais non, il n'en a pas rien à foutre. J'ai envie de dive des gens là. C'est au moment où quand t'es un tank, tu peux te permettre de faire un peu ce que tu veux. En plus, j'ai Sona derrière. Quand j'aurai le visage piste, ça va être une dinguerie. Ah, désolé, Sona. J'avais l'aggro des deux tours, GZ. GZ, elle a tout récupéré. Oh, 7-1-7, OMG. Pas bien joué. Pas normal, je honore Caitlyn, mais elle a quand même volé mon rôle. Donc, je vais lui mettre un petit heal-proof à Sona parce que je l'ai tué. Je l'ai tué à la fin. On lui met un petit heal-proof tranquille. Botlane a fait le taf. Des bons dégâts.
Et putain, Garen, est en forfun un peu en ce moment ou il se passe quoi là? 2-8, 3-15, ça c'était avec moi. 2-6, 3-4, 1-8, 2-10, 1-12. C'est le profil de Thio, on dirait. Ah, no joke, j'ai l'impression de regarder le profil de Thio, genre. 7-14, 1-12. 2-10, 7-12, 1-8, 2-6, 2-8. Et là, et quand il gagne, 13-14-3, genre, c'est le coin flip player. Bon, j'espère que game vous a plu. Ça change un petit peu du playstyle sur Maokai. En vrai, ça fait plaisir de jouer le trône de temps en temps. Les tanks, en vrai de vrai, je vois des tanks parfois ça rend heureux. Ouais, c'est pas être un petit pouce bleu. Portez-vous bien. Et à la prochaine, les amis. Des bisous. Tchuss.